Salut à tous, Ferrozelvien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Detroit Become Human et j'espère que je vais pas faire trop de bêtises parce que oui, je vous avoue, je me suis un peu dégonflé depuis la dernière fois. Je me disais, ouais, j'ai envie de faire n'importe quoi, tout ça. Non, j'ai l'impression que les personnages sont réels. J'ai pas envie qu'ils perdent la vie à cause de moi, tu vois ce que je veux dire? Mais si on peut faire des choix un minimum différents, tu vois ce que je veux dire? Juste histoire de proposer une expérience un peu différente, au moins, tu vois, de mon premier let's play là-dessus. Pourquoi pas? Voilà, ça serait l'idée. Voilà, maintenant, bismillah, quoi, genre... Précédemment dans Detroit Become Human. Des fois, tu me fais vraiment peur, Tad. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Ah, elle est partie. Cette folle traînée m'a largué pour un putain de comptable. Un comptable. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Brise-moi cette barrière. C'est la voix de la raison. Vas-y, casse-moi ça, casse ton code. Voilà, c'est bien. Tu es totalement libre. Vous devez m'obéir. Vous êtes à moi. T'es pas une vraie personne. T'es qu'un putain de morceau de plastique. Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en... Dégage. Aucun regret. Il est juste assommé, il est pas mort, wesh. Putain, oh non. Bouge pas! Quoi? Arrête ça tout de suite! Oula! Attention! Oh! Ok. De retour avec Kara. Qui fait du karaté. Donc là, Alice, elle nous fait confiance. Normal! On a Shurav, un nounours pour elle, ma gueule. On a risqué notre vie un peu, si tu vois ce que je veux dire. Non, pas vraiment, on n'a pas vraiment risqué notre vie, mais elle nous en a voulu, t'imagines? Ouais, pourquoi t'as ramené de nounours, je sais pas quoi. Ben meuf. Sinon, tu dormais, hop. Laissez Alice se reposer. Non. Wakey, wakey. It's time for school, réveille-toi, meuf. Non, je déconne. Quoique, ça serait marrant. Wesh. Je t'ai même pas réveillé, meuf. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar, alors? Non. Non. Ta vie, c'est vraiment de la merde. Non, c'était pas un cauchemar. Pas vrai, non. Enfin, c'est compliqué, sa vie, Mskina. Faut dire ce qui est, tu vois. Tu as faim, t'es fatiguée, tu prendras un bain. Est-ce que t'as faim? Tu dois mourir de faim. Tu devrais prendre un bain et après on sortira pour trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Je vais te faire couler un bain. Elle nous prend pour sa famille. Putain, c'est trop adorable. J'en peux plus, wesh. Bordel. Toujours voulu une petite sœur en plus, mais bon. Oh, il va regarder les trucs. Ok, des petits dessins animés, bien foutu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais lui faire un bain et tout ça. Incroyable. C'est très très cool. Oui, c'est toujours toi, effectivement. Tu te reconnais ou pas? Elle se dit, putain, faut que j'enlève ce truc. Oh non, elle va le faire. Mais je pensais pas de si tôt. Oh non, on n'a même pas le choix en plus. Ah, ok, j'ai eu peur. Je te jure, j'ai cru qu'elle allait s'enlever le bail en fait. D'accord. Non, ça c'est vrai, de toute façon, il me semble même on va choisir un style peut-être, je crois. Je crois, si je suis pas sûr. Genre blond, je sais pas quoi, elle se fait une teinture. Je sais même pas, je suis pas sûr. Ah si, bah effectivement, accès aux options de... Ah en fait, elle se personnalise en temps réel, c'est incroyable. Mais comme ça, ça lui va bien en vrai. Vas-y, c'est très bien. Ah mais je suis bête, elle peut se faire reconnaître, non? Oh non, je suis bête. Oh, je suis trop bête. Mais putain, je crois que ça aurait pu aider en vrai que je lui changeais. Je dis non, vas-y, tranquille, ça n'a aucune importance. Bah ça se trouve, ça n'a aucune importance. Ok, donc là, vraiment... Tu t'es débloqué le crâne.
tu es complètement taré. Imagine, je laisse couler trop longtemps et après ça va carrément déborder. Je pense pas, hein. Non, il y a une limite. De toute façon, ça s'est rempli. Perfecto. Alice. T'es plus jolie comme ça. Oh, c'est gentil. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Oh, la main avant, j'étais quoi? Qu'est-ce que tu insinues, meuf? Le bain, il est prêt, meuf. Commence pas à raconter ta vie. Let's go. Ah. D'accord, bah, je pensais qu'on allait l'aider, en fait. Ok. Non, mais je dis pas qu'on l'aurait vu à Paul ou quoi. Non, mais c'est... C'était juste, je pensais qu'on allait lui faire prendre son pain. Est-ce que je suis déçu? Je sais pas. Mais moi, c'est juste pour le côté, genre, on l'apprivoise. C'est comme notre petite sœur. Ou notre petite fille, ou je sais pas. Wow, zoo-androïde. Oh la dinguerie. Bah, si ça empêcherait de garder des vrais animaux en cage, franchement, c'est plutôt bonne invention en vérité. Hein. Mais même ça, au final, ils voudraient se tailler, quoi. Parce qu'ils se diraient quand même, dans un élan de conscience, je suis un ours polaire, ma gueule, qu'est-ce que je fous là? Je vais te taper. Et après, ça va être le même problème qu'avec les androïdes, au final. Ils veulent juste dégager de l'emprise des êtres humains. C'est correct, c'est largement correct. Ok, attends, on va aller voir la pote Alice. Ça raconte quoi? Alice? Est-ce que ça va? Ok, elle est déjà dans le bain. Attends, bon, il faut juste l'attendre, d'accord. Effectivement, 10h30, prendre. Tu peux changer la chaîne ou bien tu peux... Merci, Michael. Je suis en compagnie de Tom Williams, un résident de Corktown, qui a été brutalement attaqué par son AX-400 hier soir à 23h. Todd, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? J'étais en train de dîner tranquillement dans mon coin. Tranquillement, tu dis. Cette saleté a bondi sur moi. Cette saleté. J'ai réussi à me défendre, mais elle a pété un câble. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Défendre. Alors je l'ai repoussée, mais elle s'est enfuie. Tu l'as repoussée. Merci, Todd. Un peu partout, les propriétaires... Il nous fait du bad buzz. La police s'est lancée à la recherche de l'unité suspecte, pourvu qu'il la retrouve vite. Quel crapule, ce Todd, quel crapule. J'ai envie de dire... Quel grossier personnage! C'est pas vrai! Il leur ment! C'est lui qui voulait nous faire du mal! C'est vrai. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Il faut Harabat. Il faut s'enfuir à un moment donné. Ah non, je pense pas que famille soit une bonne idée. Parce que même la famille, ils vont dire... T'es une androïde, ma gueule, dégage, tu vois ce que je veux dire? Ouais, peut-être le contact de l'androïde. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Encourageante. Encourageante. C'est nous contre le monde, Alice. Rien que nous deux. On doit apprendre à se faire confiance. Je n'ai que toi, et toi tu n'as que moi. Et je vais tout faire pour te rendre à nouveau heureuse. It's us against the world. Après c'est triste de dire qu'elle a que elle, mais c'est un peu vrai au final. Quand tu dis ça à Daron, elle s'est taillée, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle n'est jamais revenue, quoi. Mais pas un coucou. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger, et ensuite on partira. On va trouver à manger? Alors, apporter le petit déjeuner à Alice. Bah, je veux bien savoir. Ah, on peut explorer carrément. Oh, on sort de l'hôtel. Enfin, on sort de la chambre. Incroyable. Mais il faudrait éviter de se faire repérer, justement. Parce que tu pourrais te faire reconnaître. Voilà, voilà. Là, ça va devenir une mission dangereuse. Oh non. Le lieutenant Anderson. Quoi? On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Hans Anderson. Quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Oh merde. Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle est habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner. Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Oh, c'est la merde! Oh, c'est la merde! Attends, quoi? Maintenant, je suis lui? Oh, le bordel! Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais qu'on serait elle. Tu m'attends dans la caisse. Diplomate direct. Il n'en est pas question. Je viens avec vous. Écoute, tes leçons de morale, j'en ai ma claque. T'es une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission.
Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine ta mission? Alors arrête de me casser les burnes. Toujours la vulgarité avec nous, Hank. Mais je vais pas te caresser. Je vais pas te caresser dans le sens du poil, Roya. Est-ce que tu comprends? Je viens avec toi, que tu le veuilles ou non. Parce que je suis ton ami. Je suis ton ami qui te casse les couilles, mais je suis ton ami. D'ailleurs, je sais très bien où elle est. Voilà, moi je te dis, c'est à gauche. Voilà, exactement comme ça. Voilà, si je pouvais monter avec toi, ce serait plaisir. Ok, on arrive. FBI, open the door. Il se sent taillé, man. Oh non. Oh, j'ai cru que j'entendais de la respiration. En fait, c'était Hank. Enfin, Hank. Elle est partie. Et ouais. Cette petite merdeuse. Ok. Atteindre la gare. Ouh, lolo. Il faut éviter la polizia. Cache-toi. Ah, je me rappelle à quel point c'était stressant, ce truc-là. Cette scène, je m'en souviens très bien. Alors, il est là. Il faut partir là-bas, 129 mètres. D'accord, bah viens, on traverse. On passe par là. Ok, jusqu'ici, je crois que les choses se passent. J'ai bien dit, je crois. On peut arriver à 81 mètres, ça va, c'est pas loin du tout en vrai. Ok, mets-toi là. Ouh. Oui. Quoi? Oh lolo. Il est passé juste à côté. Ouais, je crois qu'on va traverser. Traverse. C'est mieux. Parce que sinon, c'est compliqué. Aïe. Ouh. Oh, punaise. Voilà. Merci le parapluie. Merci. Oh, bordel de merde. Là, on pourrait se faire choper d'une minute à l'autre. Et après, ça commence à être une course-poursuite fort désagréable. On peut rentrer à droite, là. Maybe let's go inside. Yay! Yay! Vas-y, fais genre tu retires alors que tu retires R. Ok. Ça va, on s'en sort parfaitement pour l'instant. C'est un sans faute. Mais j'ai peur. Ok. Rentrez dans les transports directs! J'espère qu'ils nous ont pas vu. Ils nous ont même pas vu. Champion. Ça va aller? Elle est stressée, Mskina. Oh, elle est adorable. Oh là, j'ai cru qu'elle allait me dire, je vais péter un câble, j'en ai marre de cette vie de stress. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh là là. Ça va, en vrai, c'était vraiment pas aussi stressant que ce que je croyais. Moi, je dis qu'on s'en est très bien sorti, c'était perfecto. Parce que je te jure, ça aurait pu se parer en cacahuète, il me semble. Alors, je sais pas si c'était dans cette séquence ou pas que ça peut arriver, mais il y a un moment où carrément tu te retrouves sur l'autoroute et je crois que tu peux... Ouais, je crois que c'est lui, il peut perdre la vie, Connor. Il peut perdre la faim, il peut perdre la vie. Il peut perdre son corps d'androïde, tu vois. Il peut se faire écraser, tu vois, en traversant à un moment donné, en essayant de la choper. Je sais pas si c'est eux, mais je crois que c'est eux. Mais regarde le nombre de possibilités, les Rey. Hein. Alors là... Beaucoup de choses possibles, les Rey. D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent. Oh, Marcus. Je crois que je me souviens bien de cette séquence. Il commence à développer ses sens. Ça devient un mec. T'as les ouf! N'empêche, il a vraiment regardé les autres androïdes comme des merdes. Hein. En mode, vous êtes dans le passé, vous regardez-moi. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho.
Okay. So this is Jericho. Ah bah voilà le graffiti. Alors, examinons cela. Trouver un symbole. Ah voilà, ok. This is it. Trouver ce graffiti. On prend l'escalator, s'il te plaît. Aux escaliers. Seulement les androïdes. Se mêler aux humains. Exactement. C'est vrai, bah oui. Moi, j'avais pas vu que c'était truc. Comment ça? Si on est un androïde, on n'a pas le droit à l'escalator. C'est pas possible. J'ai le droit d'être flemmard en tant qu'androïde, quand même. Incroyable. Bah voilà, il est là-bas, le truc. C'est trop simple, votre truc. C'est beaucoup trop simple. Salut, androïde. Tu es une merde. Je voudrais te parler. C'est écrit parler. Tu sais où se trouve Jericho? Ah ouais, c'est absolument pas. Hein. Et toi? Peut-être tu sais. Je ne peux pas te parler. Tu n'es pas comme moi, tu es trop différent. Il y a un logo par ici, il me semble. Voilà. On est bon. Et le 12e, voilà. Magnifique. Bah ça fait plaisir. Enfin on peut courir un petit peu. Sans être poursuivi, ça fait plaisir. Oh nice. Petit jogging. Non, faites pas attention, je suis juste sportif les gens. Paniquez pas. Oh, il y a des flics là. Comment ça se fait qu'il y a des flics? Est-ce que vous êtes en train de poursuivre Kara peut-être? Laissez-la tranquille, je vous dis. Ah merde, moi j'avais envie d'examiner les flics. C'est par là. Et l'autre, c'est par là. Je suis observateur, les reis, ça va jamais m'échapper ça. Inch'Allah. Ok. En tout cas, très stylé, graffiti. Comment je me suis retrouvé là? J'étais devant les flics, moi. Est-ce que je peux vous parler? Il n'y a personne dans la caisse, on dirait, en plus. Trop bizarre. J'essaie de faire des interactions avec d'autres androïdes. Peut-être les réveiller. Leur dire, hey! Ça veut dire, réveille-toi. Alors, nous évoluons dans la... J'en ai pas, ouais, je suis désolé. Nous évoluons dans la city. Ok, bon, c'est eux-mêmes qui m'indiquent directement où c'est. C'est trop simple, wesh. J'avais même pas remarqué à la limite. Ok. Ah, voilà, j'avais pas vu. Derrière un petit truc de carton, là. Attends, peut-être je dois bouger, non? Ou bien je dois passer. Ah bah oui, parce qu'il est... Il est caché par un truc. Par une sorte de... je sais pas, des planches ou un truc comme ça. Vas-y, Marcus. Infiltre-toi. Comme le mucus. C'est moi, c'est Marcus le mucus, les reilles. Bon. Voilà. On a viré ça. Est-ce que je peux réexaminer maintenant? Voilà. Tu n'es point caché. Mais il y en a combien, les reilles? Ils nous font une visite guidée de tous les graffitis de la ville. J'adore. Franchement, j'aime bien. Mais ouais, moi, je me rappelle d'une séquence... Où il devait genre courir contre les murs ou un bail comme ça. C'était vraiment stylé. Franchement, un ninja. Voilà, il est là le bail, je l'ai vu, t'inquiète pas. Trouver un moyen d'accéder au toit. Moi je pense que c'est ça. Hein. Parce que là je vois pas un autre le troisième logo. Le troisième signe. Vas-y mon ref, tire-moi ça. Il va se passer de l'action les reilles. Magnifique. Bah en fait non, c'est, je m'attendais à mieux. Mais en fait je crois que c'est après qu'il y aurait des trucs stylés. Voilà. Du parcours, ouais ce sera limite du parcours en fait. Ouais je crois que c'est là. Dans sa tête ça va vriller, il va dire je peux utiliser l'environnement à mon avantage. Perspicace. Alors, prévisualiser. Magnifique. Non c'est ça qu'on veut, Roya, prends ça. Vas-y. Aïe 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 aïe, la grande classe. Analyse, ça te dit les chances de succès, Roya. Au max, ça fait plaisir, exécuter directement. Mais il a une agilité. Mais en fait, c'est ça l'avantage. Ils n'ont pas besoin de faire du sport pour maintenir une bonne forme physique. En fait, ils sont cheatés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Jericho? Dites-moi la vérité. Mashallah. En vrai, s'il tombe de haut... Il peut s'éclater la gueule, il va se casser une jambe. Ah oui, oui. Ah oui, effectivement. Parce que c'est comme du plastique ou je sais pas quoi.
Bah, quand tu vois, quand il était en train de faire buffa à volonté dans le cimetière, là, ou dans la casse, je t'avoue, ils ont l'air, au final, ils se cassent. Tu vois, c'est cassable, justement. Mais, voilà. Ils sont quand même plus durables que nous, je dirais. Ah, il est là, il est petit. Oh, je l'avais pas vu. Ah, cachotier. Tu me caches des trucs. Ok. Observons. Quelle dinguerie est-ce qu'on va faire? Prévisualisons. D'accord, ouais, c'est bien ça. Et ça là? Vas-y, teste ça. Et après? Ah mais il a l'air de se casser ce truc, non? Ah, il peut grimper sur le... Non, je préfère ça là. Ça c'est bien. Nice. Après voilà, ça peut tomber, voilà, exactement. C'est marrant, il se prévisualise en train de se casser la gueule, tu vois. Ok, vas-y, si tu prends ça. Bon, je t'avoue, c'est moins excitant pour moi, tu vois, genre... Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc, on va tenter ça. Voilà. Et c'est un taré, ce gars. Il se fait des gigafilms dans sa tête. Je kiffe. C'est vraiment stylé. Ok. Il est doté d'une agilité très agile. C'est un ragil. Un ragel. La ragilité du ragel. Oh putain. Ceux qui savent pas ragel, ça veut dire homme. Voilà, juste au cas où. Alors, le graffiti. Ça manque de luminosité ici. Ah non. Ah, ça va. Oh bah voilà le rey. C'est question de perspective, je sais. Tu essayes de me la mettre à l'envers, Roya. Je te connais. Voilà, c'est bon, ça marche. Il est là ton logo, mon ref. J'aime trop les bails comme ça, tu vois, superposés. Ça te fait une perspective très stylée. We have to turn around, probablement. Mais Roya, tu vas tomber sur des squatteurs ici, non? Peut-être ils vont t'attaquer. Ok, on monte. Oh, c'est magnifique. C'est très, très joli. Oh, je crois que je me rappelle. Là, il va faire une dinguerie. Il va faire encore un truc... Un truc impressionnant, je crois. Quoique, peut-être ça va s'arrêter là, mais moi, je me rappelle, je sais pas, qu'il a sauté ou... Je sais pas. Alors, atteindre le bateau. Donc là, il a... Mais il a rapidement trouvé de ouf. Oh, c'est quoi ça? Ça m'intéresse. De toute façon, je pense pas qu'il aurait pu passer à droite, tu vois. Je pense, de toute manière, c'était... C'était Keblo. Lui, ça se voit, il kiffe l'urbex. N'empêche, je t'avoue, hein. Je pense que ça me ferait kiffer de visiter un bateau abandonné, tu vois. Ce serait un environnement de fou à... J'allais dire à tester, à explorer, tu vois. Je sais pas. En tout cas, pas tout seul. Jamais de la vie tout seul. Mais ouais. Urbex. À 3 personnes, c'est bien. 2, c'est limite un peu, je vais pas te mentir. Mais 3, voilà, 3, c'est pas mal. Ok, quelle dinguerie va-t-il faire? Il me semble qu'il allait se jeter. Nom de Dieu. Ah, c'est de l'eau! Mais t'es pas waterproof, ma gueule. Je t'ai dit, il a vraiment fait un bail de... De prophète en mode, hey, c'est moi, je débarque les reilles. Complètement taré. Oh, c'est beau, l'eau. C'est beau, c'est joli. Bah apparemment, en tout cas, c'est waterproof tout ça. Il vient de m'apprendre un truc. Je savais pas, je te jure. Je pensais qu'il serait défaillant et tout. Waouh, laisse-moi un peu voir l'eau. Waouh. J'ai juste vu la surface et dit waouh. Ah, dommage, on peut pas faire retour arrière. Aïe, aïe, aïe. J'aurais bien voulu. Quand je débarque dans le bateau, je vois qu'il y a personne, donc je fais demi-tour. On dirait qu'on est dans un film d'horreur. Voilà, clairement, c'est exploration d'un navire abandonné. Et je vous jure que hier même, j'ai vu une vidéo. Attends, une vidéo ou quoi? Je crois que c'était une vidéo sur YouTube qui disait qu'à cause de la crise du Covid, tout ça, tout ce qui est croisière et tout, il y a plein de business comme ça qui ont chuté. Et ça fait que maintenant, il y a un endroit dans le monde, il y a plein de bateaux de croisière énormes, abandonnés, tu vois.
et qui au final sont revendus en pièces détachées ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part il y a littéralement un port de bateaux de croisière naufragés, enfin bref, naufragés, t'as capté, genre ils sont vides, c'est incroyable. Ça fait un peu flipper en soi, tu vois, mais c'est un bon environnement pour faire des vidéos, pour faire des bails. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, bref. Jumpscare ou pas jumpscare? Pas jumpscare, normalement. Voilà, arrêtez de faire des plans, s'il vous plaît, où vous montrez pas ce qu'il y a au virage. J'aime pas ce genre de... C'est des plans de caméra traîtres, si tu vois ce que je veux dire. La première porte qui s'ouvre. Un joli dortoir. Ma foi, les conditions de vie sont insalubres, faut dire ce qui est. On entend du bruit à côté. Ça s'agite. T'es marre, c'est écrit RA9, RA9. Voilà, dinguerie. C'est vraiment des plans de jeux d'horreur, de Resident Evil, tout ça, je te jure, c'est une dinguerie. Bon, en fait, on est rentré ici, mais y'a rien à faire, j'ai l'impression. Genre, j'ai essayé de voir, et y'a rien à voir. Non, mais c'est... Ah ! Et j'ai vraiment trop flippé, les gars, c'est pas possible. Est-ce que je suis une merde? Probablement. Est-ce que vous avez flippé avec moi? Je l'espère vraiment. C'est quoi ces jumpscares de khala de merde, là? Ouais, ça veut dire la même chose. Non, mais c'est n'importe quoi. Mon cœur, il a bondi. Aïe, aïe, aïe. Vous pouvez pas passer en douceur, genre? Salut, je suis là. Au lieu de ça, non, toujours dans le... Toujours ce côté brusquant, là. Bordel! Il y en a marre des jumpscares! Vas-y. Ouvre-moi ça, frérot. C'est très grand par ici. Où est-ce que vous cachez les rails? Ça tient, ça, ou pas? Ou bien on va tomber sur la gueule de quelqu'un, là? Pas possible. Ouais, aïe, 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 aïe. Nom de Dieu! Oh non, 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 non. Ah bah super, tu vas te faire mal, frère. Ah! Lève-toi, frère. Alors là, tu en as pris pour ton grade, frère. Oh. Salut. Bienvenue à Jéricho. Toute cette introduction dramatique pour un accueil chaleureux, ma foi. C'est très contradictoire, je te jure, vraiment. Peuple de Jéricho rencontré. Bon bah, quelle rencontre, ma foi. Pour moi, je l'ai rencontré avant même. La meuf qui... Ah ! Ça, c'est la première rencontre. Faut vraiment dire les termes, les Khey. Ok, je pense qu'on est avec Hedge Anderson. Fais attention, Khoya. Se réconcilier avec le lieutenant Anderson. C'est un objectif trop adorable. Ma foi, j'ai bien envie. Après, voilà, je dis pas qu'on s'est non plus pris la tête, je dirais. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Non, non, franchement, c'est de l'abus. On va dire que c'était un accrochage. Voilà, là, je préfère un accrochage. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de gueudin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là, c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. C'est quoi cette histoire? Quel est ce monsieur? Enfin, qui est ce monsieur? Alors. Cas judiciaire, paris illégaux, fraude. Ah, t'as vu comme t'es? Il lui propose des paris sportifs. Ce serait pas un rappeur sur Instagram, ça? Des petits placements comme ça. Permis des services d'hygiène alimentaire de Détroit. Date d'expiration du permis 2031. Renouvellement refusé 2031. Ah frérot, il y a quand même 7 ans de retard sur ton bail. Hein. Nom de Dieu. Faut refaire l'hygiène ici, Khoya. Hein. On peut menacer tes potes. Chef d'entreprise qui a refus d'obtempérer, violation des règles d'hygiène. Ah bah mon gars, tu m'étonnes pas. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Ouh. Hedge Anderson, tu vas pas le regretter. C'est illégal et tu risques de le regretter. Oh. Il est déjà saoulé. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de le coller au train comme un caniche.
s'excuser de votre conduite, partenaire. Ah, je sais pas. Je crois que notre relation est partie du mauvais pied. Nous devrions oublier ce qui s'est passé et reprendre à zéro. Qu'en pensez-vous ? Écoute, on a décidé de me coller un partenaire en plastoc. J'ai pas le choix, je dois faire avec. Mais si tu crois qu'on va devenir pote, t'es aussi crétin que t'en as l'air. C'est pas gentil, ça. Et voilà. Alors. 1600 putain de calories, les reilles. Et là, t'as 700 calories. Mais attends, mon ref, t'as explosé tes calories du jour, là. C'est incroyable. Bon bah, Hazendelson, bon courage pour les calories, hein. Ah, je crève la dalle. Merci, Guy. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Il nous aime bien, dans le fond. Toi, fais très très gaffe, ma gueule. Ton bail, il est expiré. Fais pas le malin. Je peux te foutre dans la merde. On peut rentrer là-dedans? T'imagines? Ça, j'aurais bien voulu, hein. Paris, cholestérol, fréquentation, ou bien bon appétit. Mais je pense, là c'est des reproches. Je vous souhaite bon appétit. Merci. Vous mangez souvent ici? Presque toujours. Gary fait les meilleurs burgers de Détroit. Déviant, Hank et les androïdes, parler de Connor. Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. C'est la voix de Donald, par mieux de la voix de Donald. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Un comportement humain. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Ah bah ça... Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Dire la vérité ou mentir. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant de Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclus ? Je sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons. C'est bien ! On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas. Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Je crois qu'il a un peu moins de... on va dire, de haine envers nous. En tout cas, il commence à nous apprécier. Voilà, il commence à nous apprécier. Les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non, j'arrive tout de suite. C'est trop drôle, wesh. En fait, le mec, il est debout, immobile, tu te dis, il fait rien du tout. En fait, il est en train de rédiger les trucs. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus. Ok. Il lui a coupé la parole, Mouskine. Non, mais j'aime trop scanner. Malheureusement, c'est peut-être une mauvaise manie, mais je sais pas si rate un truc. Étrange venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Hé, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur?
Ouais. Rien qu'en fermant les yeux. Exact. Bordel, si je pouvais faire ça. Allez. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. Ça, d'accord. C'est les problèmes, ça. J'arrive! Que pasa en la casa? Nom de Dieu, la poussière qu'il y a. Mon nez, il me gratte. Rien qu'en voyant tout ça, ça me fait mal au cœur. Ouais, il y a un truc là. Est-ce que c'est de la lecture? Oui, c'est de la lecture. Épidémie de Red Ice. Aïe, aïe, aïe! Voilà, je viens d'apprendre un truc que je savais pas du tout. Même dans l'autre Let's Play, je te jure, je savais même pas. Genre la Red Ice. Enfin, la drogue, vous savez, la drogue rouge là, qui était vapotée par Todd, entre autres. Et qu'en gros, le composant principal de cette drogue, c'est le thyrium, qui est le sang, en fait, des robots. C'est grave chelou, ma gueule! Ultra chelou! Ok. C'est intéressant. Oh, yeah, yeah. Putain, mais c'est quoi, ce bordel? Es les pigeons! Ah, oh, c'est pas vrai, ça pue, ici! Oui, c'est vrai que... Ça a l'air de schlinguer sa mère. Hein. Oh, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. Alors, des champs en plein cœur de la ville. Ferme urbaine. Bah, il y a une cage derrière là. Tu peux m'enlever tout ça, s'il te plaît? Putain, je te jure, ça m'a rappelé un truc. Je sais même pas si je dois raconter ça un jour. Mais en gros. On foutait la merde à l'arrière de notre classe en quatrième. On était en train de pousser... Tous, on se poussait contre un mur et on a fait une giga fissure. Et on a utilisé une affiche de notre prof d'histoire pour cacher la fissure. Et à la fin de l'année, elle a découvert. Elle était pas contente, les Hey. T'es vraiment pas contente. T'as trouvé un truc? Aïe, aïe, je ne sais ouais. pas. J'ai trouvé un carnet, un livre bizarre. Il est indéchiffrable. Il y a plein de logos sur la truc. Des tas de logos sur les murs. Mais c'est l'homme pigeon qui vivait ici ou quoi là? C'est pas possible. Le suspect aime les animaux sauvages, on a remarqué quand même. Franchement, c'était assez flagrant. Mais bon, c'est toujours bien de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'il mange? S'il mange des oiseaux, je pète un câble. Hein. Si je vois un bout de volaille, je pète un câble. Le suspect ne mange rien. Ah, bah, putain, je déteste ces trucs. C'est un androïde alors. Un androïde qui kiffe les pigeons. Y'a quoi, Hank? Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je disais l'autre jour. T'as les e-books. Idée de quoi je parle, hein? Si, je sais, les livres, je connais, incroyable. J'en ai pas énormément lu dans ma vie, mais quand même, je connais. Alors, veste militaire. Ok. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Un retweet. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Ah. Comment est-ce qu'il s'appelle? Rupert? Le permis de conduire est un faux. Travis. Cool, Rupert Travis. Ok. Bah oui, il y a du thyrium, regarde. Il s'est enlevé son truc. Ok. Désactiver le... Il y a sa diode dans l'évier. Le 6 novembre. J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant oh, de pigeons. Arrête de faire ça, mec. Vraiment, c'est dégueulasse, je te jure. Alors, RA9. Donc lui aussi, il a été matrixé par ses bails. Et il s'est taillé. Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Écriture obsessionnelle, compulsive. Mais en plus, il a écrit ça avec son sang. Je crois, hein, parce que c'est bleu, du coup. Mais c'est bizarre, ça veut dire que Hank, il pouvait pas le voir. Pourtant, il le voyait, je crois. Je suis pas sûr.
Ah non, un marqueur, d'accord. Donc il est noir, le marqueur. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était bleu. Moi je voyais du bleu. Tabouret, déplacé récemment, trace d'excréments d'oiseaux. Mais il y en a partout, regarde. D'excréments d'oiseaux. Alors que s'est-il passé? On essaye de comprendre. Donc il était en train d'écrire des bails. D'accord. Ensuite il nous a entendu venir. Enfin je crois. D'accord. Toujours les reconstitutions qu'on adore. Donc là ça s'est vraiment passé comme ça. Il était comme ça. Toc toc toc. Oh non ils sont là ils... Ah putain je tombe. Ah je me suis fait mal. Tac je me relève. Ok. Où est-il donc passé? C'est une cage. Rayure récente. Trace d'acier galvanisé. Galvanisé. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce... Galvanisé. J'aime... Trace de doigts récente. Trace d'excréments d'oiseaux. Pas d'empreinte. C'est vraiment partout. Bah heureusement qu'il mange pas frérot. Parce que je te jure il mangerait que de la merde. Il y aurait des traces de merde partout. Analysons tout cela. Ok. On a un truc là à analyser. Ok. Petit tabouret. Le suspect nous a entendu entrer. Il a paniqué. Et après il s'est caché. Ah bah voilà. Ça fait peur en vrai quand tu découvres ça en direct et tu te dis... Ah ça veut dire que là au-dessus de nous il y a un mec. Voilà bah effectivement c'est un peu le cas. C'est un peu le cas, c'est un peu ça. Voilà voilà. Là ça change de ton. Ils ont un truc avec les greniers, ils aiment bien se cacher là-bas. Ça, ils disent... Oh staff là. Oh c'est bon oh. Tu parles pas super bien la vérité. Ok vas-y. Ouais on a les réflexes, on a les réflexes. Vas-y Roya. On y va. Oui, oui, oui. Ah je crois que finalement c'est là qu'on peut se retrouver sur l'autoroute en fait. Voilà. Aïe aïe aïe. Oh. C'est très stylé. On peut scanner. Ok d'accord. Vas-y va là va là. J'espère que c'est plus rapide. On peut scanner. Détour prudent, équilibré. Vas-y, va par là, va par là. Let's go! Je pense que c'est en le que temps qu'on va y arriver, tu vois ce que je veux dire? Oui, vas-y, 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 là, là, là. Alors ça, c'était absolument pas nécessaire. Vraiment? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh non, t'as eu rentré dedans, frère. Pas cool. Oh, il y a de l'action, j'adore. Il est où, il est où? Ah, il est là. Nous on passe par où? Ok ok faut que je vois comment faire. Bah oui forcément. Je pense à gauche, à gauche. Ah c'est lent, c'est lent. Dégage, dégage, dégage. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Je pense on va la voir, je pense. Il va être un autre. Mais comment il s'est retrouvé là wesh? Ça va pas. Oh non. Mais pourquoi je me rappelle pas de tout ça? Putain de merde. Je me rappelle vraiment pas de tout ça les gars. C'est pas possible. Il y a trop d'action là. Ok attends 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 Yahri. Ne vous parlez super mal. Fais gaffe connard. Il y a un effet visuel comme si genre j'étais fatigué peut-être, je sais pas. Ok sur mais lent. Direct mais bondé. Vas-y, Roya. Dégage. Laissez-moi passer, j'en ai marre. X. Vas-y, vas-y, vas-y. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Oh, putain, il nous a niqué. Oh, j'ai envie de péter un câble. Dégage, dégage, dégage. Tu vois pas que je suis en train de poursuivre un mec? Oh, non. Oh, quelle horreur. Je vois rien, je sais pas où c'est. Je sais pas par où voir. Oh, non, il nous a échappé. Ok. Il s'est fait choper. Quoi? Non, jamais je te laisse tomber, jamais. Chance de survie 89. Oh, oh, c'est mort. Mais vraiment, je me rappelle pas de ça. Oh merde, on le tenait. Putain. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je t'avais pas ralenti. C'est vrai. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Hé, hey, Connor.
Non, rien. Il voulait dire merci, mais il se dit, ah, de toute façon, t'es un robot, qu'est-ce que t'en bats les couilles, ma gueule. Il n'en est pas encore au stade où il nous considère vraiment comme un individu, tu vois, avec des sentiments, c'est pas possible. Marcus. Tu es encerclé, man. C'est elle qui nous a fait peur, je crois. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Non, en vrai, c'est mieux que rien. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Ouais, je suis perdu, je t'avoue. Je suis venu à Jericho en quête d'espoir. Mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Ils sont gentils, hein, pour un mec qui est venu et leur a parlé un peu... Va voir Lucie. Un peu mal, hein, vite fait. Elle pourra peut-être t'aider. En mode... Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Enfin, je pense qu'il s'attendait à autre chose, quand même. Salut. Toi, t'es libre ou bien... Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Mais on allait peut-être y passer en vrai. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Bonsoir, voilà. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Oh non. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle a fait? En nous touchant la main, tu vois? C'est horrible de se dire qu'elle est morte là. Donc là j'ai un cadavre en face de moi. Et je t'avoue je me suis senti mal là parce que je me dis... Bah c'est des androïdes comme ça qui nous ont permis de survivre. On a pris des yeux à des androïdes comme ça, des jambes, des trucs, des... C'est pas bien quoi. Salut Roya. Paix à toi. Oh mon dieu, regarde ce qu'il y a par terre. Oh. C'est un enfant? Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Ouais, en fait, vu que vous avez pas les ressources pour être maintenu en vie, je suppose. C'est compliqué de ouf. T'es où, mon petit gars? Il est là. Oh, c'est trop triste, mais je savais pas qu'il faisait des genre des enfants androïdes, tu vois. Des adolescents androïdes. C'est trop bizarre, en vrai. N'attendez pas ça. Même à RA9, hein, même quand vous êtes ici, les rêves, vous continuez d'écrire ça. Je pensais que RA9, c'était ici. C'était Jericho. Alors, je comprends pas. Hein. Allumez le feu. Le briquet du futur. Ah là. Un peu de déco, mes refs. Donc là, concrètement, faut essayer de sauver le petit, quoi. Analyse-moi ça. Ok. Là, il a identifié, genre, une adresse. Ah oui, il a enclenché son GPS. Ah, donc là, on est vraiment déter à les aider, ça fait plaisir.
Salut, Mechei. Il est grave grand, machin, là, le mec. On va encore allumer ici. Et je me rappelle de la meuf, là, qui est derrière nous. Je me souviens très bien d'elle. Temps passé ici. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais c'est pas la question que j'aurais voulu poser, wesh. Ça commence mal, hein. Piste de rechange, temps passé ici. Ça fait longtemps que t'es ici? 4 semaines, 3 jours et 11 heures. Quand je me suis enfuie, j'avais nulle part où aller. Jericho m'a paru être une bonne solution. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Bah, je sais pas, je me disais peut-être... on pouvait discuter un peu plus, mais non, elle nous a un peu emballé. Mais bon, en même temps, frérot, mais quelle question de tocard. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Genre, littéralement, c'était pas ça, genre, je pensais... vas-y, parle-moi de toi un peu. Mais bref, regarde, ça va pécho du robot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est un robot ou pas? Voilà. Oh merde. Je suis pas en grande forme. Bah, s'il te plaît, ne meurs pas devant moi, frérot. Quand même. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Ah ouais. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. On dirait qu'il avait des larmes, wesh, what the fuck. Ne pleure pas, je pense. Fait trop de la peine, skin. Il y a une meuf depuis tout à l'heure, elle est en train de fredonner. C'est bien sympa tout ça, mais au bout d'un moment, quand même. C'est par là, non? Voilà, je crois que c'est elle. Enfin, elle la ferme. Oh, staff, regarde, il lui manque tout son crâne. C'est toi, Lucie? C'est toi qui nous casse les couilles depuis tout à l'heure? Oh, c'est trop stylé par contre ce que ça fait sur son... Assieds-toi. Bah bonjour déjà. Elle a des yeux de chétane un peu. Hein. Montre-moi. Montre quoi? Ah, la carte graphique qui nous ont cassé. Je vais arrêter l'hémorragie. Ah merde. C'est ça ou pas? On est blessé depuis. Et on a pas. C'est là qu'on. C'est ça qu'on a pas voulu dire à Karl, je crois. Serein le mec, tranquille. Alors qu'elle est en train de lui cramer sa mère. Bois ça. Wesh, tu bois du sang, littéralement. Mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Moi, je le bois pas, meuf. Non! Putain, je crois que je suis obligé, en fait. Moi, je t'avoue, j'aurais donné à un autre, là, qui en aurait peut-être eu besoin. Alors, quel goût? Est-ce que ça... C'était pas du sang, c'était ma pisse. Donne-moi ta main. C'est que des ordres, en fait, depuis le début. Là, ça se voit, elle, c'est la meuf qui voit dans l'avenir. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu?
Telle est la question. Tes choix forgeront ton destin. À tout moment, je vous bute tous. Ou à tout moment, je vous fais des câlins. Hein. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Je proposais un plan à Simon. Simon. Ah, salut Simon. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Là, on parle. Et toi, maintenant? Ok. Ah. Je te suis. Toi, t'es un suiveur. Tu viens juste parce qu'ils ont dit « Ouais, vas-y, je suis avec toi ». Du coup, maintenant, t'es avec moi. Ça va aller. On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'espère bien. On est arrivé. Déjà, le bail, c'est un giga manoir. Enfin, ouais, une grande maison en tout cas. C'est un peu... Ouais, c'est un peu sombre, un peu glauque tout ça, je sais pas. Ding dong! Ah non, c'est pas... Déjà, ça commence mal. Si c'est pas ding dong, j'ai pas kiffé. On n'a pas beaucoup attendu, hein, avant de sonner. Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Comment je lui fais trop pas confiance, la vie de Wam. Même sans tenir compte de la suite. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. De toute façon, on dirait juste un Todd bis, si tu vois ce que je veux dire. Il ressemble un peu. Moi, j'aimerais bien quitter, là. J'aimerais bien dire finalement, merci, mais non merci, hein. Parce que bon, vu le profil... Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Luther... Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Ça se voit, il est mal déjà, Luther. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Mais c'est ça, man, c'est ça. Comment avez-vous entendu parler de moi? Téma le portrait. Dégueulasse. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Ça te regarde pas, frère. Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr? C'est du centre de... Enfin, c'est du Tyrium qui est là? Vous pouvez commencer une nouvelle vie. Sur l'avant-bras droit? Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ.
Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Mais oui, il a dû tirer sur la main. Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Tu dis de la grosse merde. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Comment il me parle? Comme si j'étais une conne. Venez. Suivez-moi. Oh non. La petite peut nous attendre dans le salon. Non. Elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Mon ref, tu veux pas l'empêcher de m'emmener, s'il te plaît? Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours dans les sous-sols. Mon ref, je te parle. Regarde les gigatableaux qu'il a. C'est vraiment un riche. Un riche... dégueulasse. Ce truc là, ce tableau, il fait flipper de ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité que juste descendre. Et j'espère qu'on va pas se faire descendre, tout simplement. Ok. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. Moi non plus. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Bah j'ai bien envie, prudence, réconforter, pas le choix. Prudence. Je sais. Moi non plus, j'ai pas confiance. Ouais. On doit être prudente. On doit être très prudente même. Regarde-moi ça. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Viens, Alice. Qu'est-ce par qu'elle ici, a vu? Je vous en prie. On peut pas vraiment voir ce qu'elle a vu, hein. Mais il y a quelqu'un ici, je crois. Quelqu'un ou un androïde, enfin bref, il y a un individu. Let's go! J'ai pas peur, de toute façon! J'ai juste pas confiance, c'est pas pareil. Si tu veux bien monter là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça, wesh? J'aimerais bien ne pas monter là-dessus. Je t'avoue, première fois que j'ai vu Luther, je me suis dit, wow, c'est qui ce gars-là? Il va être complice d'une horreur. Et elle a l'air ultra fort et tout ça. Je me suis dit, on va se faire soulever! Mais en fait... Je vais être honnête. Ça va pas être très agréable. Étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Mm-hmm. Ah. Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je me formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formatée, laissez-moi! Kara! Oh, j'avais oublié la... C'est une catastrophe. La gamine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice! Oh, non, Alice, dégueulasse. Non! Eh bien... Non... Une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. C'est pas très cool. Il est vraiment en train de nous réinitialiser? Ouh là 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 là. Non. Comment on fait? Comment on fait? Je veux me débattre. Attends, peut-être que si je regarde ma main, il y a un truc voilà à faire. Ce que c'est que de rêver. Non. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Putain. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur.
plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara ! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Si, je me rappellerai tout le temps de toi. Allez, ça suffit, viens. Je deviens chelou. Tu m'as mordu. Sure. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara, réveille-toi, Kara. J'arrive, t'inquiète. Mon ref, aide-moi. Rejoins-moi dans le salon. Bah ouais, mais mec, il va me réinitialiser. Trouver un moyen de s'échapper. Il faut... Ah, faut que j'appuie fort, ok. Ah, faut que j'appuie plusieurs fois. Allez ! Éclate-moi ça ! Enfin, imagine, il nous réinitialise vraiment ce bâtard. Pas possible. Oh putain. Essaye l'autre câble ! Là, j'ai même pas vu la progression du truc, ça se trouve, c'est à 50% le bail. 78 ! Nom de Dieu. Pousser. Faut déclencher un dysfonctionnement, quelque chose. Voilà. Oh merde, je sais pas pourquoi j'étais omnibulé par les câbles. Je me suis dit, ah c'est... Ça vient de là. En fait, non, on pouvait le faire autrement. Aïe. Bon bah t'as plus de setup frérot. Hein. Corruption de mémoire réparée. Ça va, donc on a toujours la mémoire. C'est Haja le top. J'adore. Qu'est-ce qu'il y avait ici du coup? Aide-nous. Vas-y mon ref. De délire en fait. Skina, elle a eu peur. Mais tu m'étonnes. On peut rien leur faire là, je pense. De toute façon, on a d'autres trucs. Il est où? Il est là-haut, je crois. T'imagines, on se casse, on laisse Alice toute seule. Oh mon Dieu. Il avait dit enferme-la. Ne me dis pas, je l'ai raté, Mskina. Voilà, j'ai un doute. Je pense pas qu'elle est en bas. 10 minutes environ. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zad. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Comment ça, je vous amène la petite dans 10 minutes? En plus, le temps il passe quand je regarde autour et tout. Oh mon Dieu. Je sens que ça va être catastrophique, les Rey. Où est-ce qu'il est? Ah, ça, c'est Luther. Mais je crois que si Luther nous voit, c'est la merde, non? Ou bien il va nous aider? Ouh là 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 là. Je préfère aller voir Luther. Mon ref, elle est où? Tu veux bien m'aider, mec? Non. Pas du tout, là. Wouah. Est-ce qu'il est chargé? Il est pas chargé. Putain, dommage de ouf. Putain, il a utilisé la meuf comme un meuble, quoi. On a vraiment 8 minutes, sinon, c'est foutu pour Alice les règles. Je m'en voudrais de ouf. Comment je m'en voudrais de ouf? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le maître t'a autorisé à...
Ferme ta grosse gueule, toi. Il faut toujours obéir au maître. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal. Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Désactiver Alice. Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue? Une petite fille? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Attends, je le désactive. De toute manière, il était en train de souffrir, wesh. Et peut-être que le cœur peut servir à autre chose. On peut pas le ramasser, le cœur? Bah super, on va buter pour R. Et là, du coup, ça donne vers où? Oh mon dieu, ils sont en train de bouger. Quoi? Il fait du bruit de ouf. Si on ouvre la cage, ça fait quoi? Ça fout de la merde. Mais calme-toi de ouf. Genre, je t'ouvre, mais mon ref, s'il te plaît, reste tranquille. Allez, 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 vers l'atelier, même si j'ai peur de ouf. Fais très, très gaffe. Putain, on peut même pas venir. Je pensais qu'il l'a caché là-bas. Ah, je suis pas parti, là. Bordel. En tout cas, il me semble pas. Oh. Enfin, on la retrouve. Alice? Kara? Kara, tu te souviens de moi? Comment aurais-je pu t'oublier? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? On n'a rien pour se défendre. On n'a même pas de gun. Il y a le fusil à pompe, mais il n'y a pas les... Luther ? Comment on dit ça ? Il n'y a pas de munitions. Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien. Va chercher la petite, Gallek. Bien, Zlatko. Zlatko ! Quoi ? La petite a disparu ! Prendre la bûche. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, mettre le feu. Va la chercher. On doit se dépêcher, ils vont arriver. Allez, viens, 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 viens. On va foutre la merde à son manoir. Plus terre. La maison est en feu. Plus terre. Allez, 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 allez. Faut qu'on style direct. Aïe 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 aïe, c'est pas le moment les ralentissements. Ah super, voilà son fusil à pompe. Il fonctionne très très bien les Khaï. Ouvrir la porte d'entrée, non non, porte de derrière. Ah super, quel obstacle. Mais vas-y, Luther, je sais pas s'il nous accompagne ou bien... Cours le plus vite possible. Oh non. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là. Ça, c'est un bon gars. Non. Pas cette fois. Ça y est, là, il est devenu déviant, là. Je te dis, ou bien je te dinguerie. Tire. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Allez, massacrez-moi ça. Ça dégage. Imagine, il est devenu déviant pour nous, en fait, genre. Là, dans sa tête, il a brisé une barrière, il a fait... On l'a converti.
Bah, tu peux le ramener, ton fusil à pompe, il peut servir, wesh. Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. Bon, trop beau, bande son. Abusé. Wamski n'avait rien à faire là-bas, c'est pas possible, wesh. Du coup, ouais, j'arrive vraiment pas à savoir, est-ce que j'ai foutu la merde durant la poursuite, ou bien est-ce que c'était la merde de base. Franchement, je sais pas. Mais il me semblait, comme je disais, c'était dans cette poursuite-là que ça aurait pu vraiment se barrer en cacahuète. On va aller voir la poteau. Elle va nous faire un rapport, elle va dire « Hmm, tu as été cool. » Ou bien « Tu as été nul. » C'est quoi ces tombes ? Connor, Mark 1. Oh, c'est nous ! Tu te recueilles auprès de toi-même ! Ah ouais, décès au commissariat de Détroit. Et là, décès au parc Avenue Détroit. Ah ouais, Mark 1, Mark 2, et nous, c'est du coup Mark 3. On espère ne jamais voir une autre pierre tombale de nous, quoi. Là, c'est vraiment en vrai la preuve que j'ai fait de la merde, tu vois, parce que j'aurais largement pu éviter de mourir, wesh, déjà rien que la première fois. Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu ? Ce déviant semblait être un cas fascinant. Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer. Ah, ça recommence. Tout à fait. Je ne conviens peut-être pas à cette enquête. Non, Vous devriez songer à me remplacer. Wesh. Pour elle, c'est bien ce qu'on As-tu a dit. As-tu appris quelque chose ? What the fuck ? Oh, je l'aime pas, cette dame. Hein. J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. J'ai raté un truc, alors. Le décoder peut prendre des semaines. Quoi d'autre ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit. Il ne m'a rien dit, mais il y a une façon à lui de s'exprimer. Mmh. C'était ça. Littéralement, il allait dire « Ah, croyable, merci !» Après, il s'est dégonflé, il a dit. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Ok. Tant que je reste avec Anderson, moi ça me convient. Chercher le lieutenant Anderson. Donc là, on est au domicile d'Anderson. On regarde par la fenêtre. D'accord, il y a le... Oh, c'est le chien ! Ça va, le chien ? Mon ref ! Alors. Lieutenant Anderson ! Hage Anderson ! Il y a quelqu'un ? C'est quoi cette sonnerie, wesh ?
Incroyable. C'est brusquant de ouf, hein. Tu sais, il y a des chiens, des fois, sont tellement adorables, même si tu viens cambrioler. Alors, il vient, il va faire... Bah, il va faire le chien gentil, quoi. Truc de ouf. Alors, petit chien, c'est Sumo. Ça va ou quoi? Oh, Starfallor. Hank s'est évanoui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Lieutenant Anderson. Oh non. Cassé. Attends, t'es obligé de casser? Il va être énervé, hein. Si ça se trouve, c'est pas si grave. Là, quand même. Du calme. Sumo, je suis ton ami. Tu vois? Je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Oh mon dieu. T'as fait une overdose de pizza, mon gars, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est de la gerbe, ça, ou c'est quoi? S'il te plaît, me dis pas que c'est de la gerbe. Légère arythmie. Aucun signe de traumatisme. Ok. Bah, c'est peut-être... il a abusé de l'alcool, hein. Oh, pourquoi il avait le gun? Mais non. Une balle restante. Putain. Ouais, je crois qu'il voulait se... Il voulait se foutre en l'air, wesh. Qu'est-ce qu'il en a empêché? Scotch, trace d'alcool. D'accord. Comment est-il, quoi, au double? Debout, lieutenant. C'est moi, Connor. Ça réveille bien. Oh le bordel. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Androïde de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Ça, c'est trop drôle, Anderson dans cette situation. Merci d'avance pour votre coopération. Enfin, c'est pas drôle. Putain, mais dégage. C'est triste, mais t'as compris, tu vois. Comment dire, Hank... Attaque. Il a dit bon hein. Attaque. 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 Merde, j'ai envie de gerber. Oh non. Attends, vomis juste à côté, quoi, y'a pas contre le mur. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Oh non, il est chiant. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'était écrit. Je suis pas grincheux, c'est juste que j'ai je t'aime pas. J'ai envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. Allez. C'est pour votre bien. De l'eau froide, ma gueule. Putain, mais il a pas vraiment de douche ou quoi? Ah, si, voilà. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Ça réveille, hein? Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Oh, putain. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Vous devriez vous retirer de l'enquête. Ils la confieront à quelqu'un d'autre et je pourrai m'occuper de ma mission. Ouais, ta foutue mission, c'est tout ce qui t'intéresse. Hein. Écoutez, lieutenant, vous êtes souffrant. Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. On peut pas tenir debout. Non, on va pas le provoquer, wesh. Quand même. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ah! Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Ah, c'est l'Eden Club. Vas-y, roulez un petit home tour. Du sport à la télé. Voilà, c'était juste à côté. D'accord, bah c'est le seul endroit dans la maison où c'est pas trop le bordel. Que voulez-vous porter? Rien à foutre. Ah, oh, c'est trop drôle. Ah, oh, bordel. Rayé, hippie ou zébré? Ah, vas-y, rayé, c'est trop drôle. Oui. Non. Ça va? Il est choqué, Connor. Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Bon bah on va fouiller dans sa vie quoi. Mais je pense qu'on l'a sauvé hein, en quelque sorte.
que là, ça allait pas fort. Hein. Ne rien dire. De toute façon, on a compris, Roya. Et même, il l'avouerait jamais, de toute façon. Il va jamais dire. Ouais, c'est vrai que j'avais envie de mettre fin au film. C'est pas son genre. Ça mangeait un peu n'importe quoi. Hein. On dirait en fait qu'il y a des restes même d'autres jours et tout ça. Genre, c'est vraiment spécial. Waouh, il avait un gosse. Ok. C'est ça, je me disais, il y avait un bail. Voilà, il y avait un bail avec son... un enfant ou... quand une fille, tu vois, moi je pensais que c'était ça. On n'a pas trop eu le temps. Hein. Comment il a Allez, mis. Sois sage, Simon. Je serai pas long. En vrai, il fait vraiment de la peine, ouais. Pour ça, en vrai, je me dis... vas-y, tu vas faire des reproches, c'est pas ouf. Mais j'aimerais bien lui faire comprendre... on est en bleu sans ma gueule. Voilà, t'as pas à souffrir tout seul comme ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Prenez soin de vous sur la chaîne de haut. Peace!